bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte. Je sais pas si c'est pop-up ou pas, ou pop-up, ou pop-up. Voilà, moi j'ai fait une petite carte que j'ai trouvée sur un site américain. Donc, c'était en inch. J'ai gardé certaines mesures en inch parce que sinon en centimètres ça faisait des 3,75 machin. Mais sur votre, on va voir ensemble, sur votre massicot, en fait, vous avez les inches. Vous allez voir, c'est très facile. Et il y a beaucoup de dimensions en centimètres, mais je dois avoir deux dimensions en inch. Voilà. Donc du coup, la carte, elle se présente comme ceci devant. Donc c'est une petite armoire. Derrière, j'ai mis Bonne fête, maman. J'ai mis une petite déco et on va pouvoir écrire à l'intérieur. Alors, ça s'ouvre comme ça. Là, j'ai marqué Instant magique, ce sourire sur ton visage. Ah, bah, il y a un truc, je m'en doutais que ça n'allait pas coller de toute façon. Ah, ouais. Il y a un truc qui n'a pas collé. Bah, voilà, comme d'hab, il faut qu'on le colle. Donc, on continue. Donc, on ouvre comme ça. Voilà. Et quand on ouvre les portes, en fait, ici, eh bien, à l'intérieur, on a une petite robe, hop, faut que je la colle en haut, que je mette un petit double face. On a une petite robe, comme ça, c'est une petite armoire, et on peut écrire sur les côtés. Voilà. Donc je trouvais ça très sympa, donc du coup on va le faire ensemble. Alors, donc du coup, elle était comme ça avec le petit anneau qui était autour, et quand on l'ouvre comme ça, à l'intérieur en fait, on a une petite robe. Alors moi j'ai fait une petite robe sur un petit cintre. Voilà. Après, vous pouvez mettre plusieurs choses dedans. Moi, j'ai mis une petite robe comme ça. Voilà. Pour la fête des mamans. Vous pouvez mettre une petite carte cadeau cachée derrière la robe. Pour que votre maman, elle puisse. Voilà. Pour aller faire un petit achat dans un magasin. Donc là, j'ai mis une petite bouteille. Et là, j'avais marqué Queen. Parce qu'une maman, c'est la reine. Et du coup, ça n'a pas collé. Donc il va falloir que je le recolle. Voilà. Donc on va le faire ensemble et ça va bien se passer. Donc il vous faudra du papier, vous savez, dans les petits 15-15 comme ça, vous avez du papier miroir. Donc il vous faudra du papier miroir pour le faire. Hop. Alors on va commencer. Donc pour la base, il va nous falloir un morceau de cardstock. Je vous mettrai tout après. Donc un morceau de cardstock qui fait 30,5 par 24,5 cm. Donc là c'est en centimètres, d'accord? Ensuite après, sur les quatre côtés, vous allez faire un pli à 2,5 inch. Donc ici en bas de votre, je sais pas si on est en bas ou en bas. Ici en bas vous avez les inches. Et ben c'est pas compliqué, hein. Vous vous mettez à 2,5, hop, et vous venez tracer, alors pas celui-là évidemment, et vous venez tracer votre pli. Hop, vous tournez, vous vous mettez en bas à 2 inches et demi, et hop, vous venez tracer votre pli. D'accord? C'est tout bon. Donc on fait les 2,5 en inches sur les quatre côtés. Ensuite, vous avez sur ce côté-là, ça vous fait 10 inches. Si j'avais fait en centimètres, ça vous aurait fait ici des virgules, je sais pas quoi. Donc vous prenez, donc c'est 10 inches, d'accord? Sur les 10 inches, vous allez marquer un petit repère avec le crayon de papier à 5 inches, ici. J'ai une règle, moi, généralement, les deux. Moi, j'ai deux règles qui font les inches, d'un côté et de l'autre. Et de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Vous allez marquer un petit repère à 5 inches. OK? Ensuite, après, vous allez prendre votre petite mousse. Vous allez prendre votre petit ustensile ou alors votre plioir. Et vous allez relier la petite trace au coin où on a fait notre traçage de pli. Hop. Alors moi j'ai deux traits ici, parce que je me suis trompée évidemment. Hop. Comme ça ne va pas se voir, on s'en fiche. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté.
mon petit repère à 5. Ici, j'ai mon petit coin où je suis venue marquer mes plis. Hop, là, je vais essayer. Sylvie, t'as plus qu'à recommencer. T'as fait un trou. Bon, ça se verra pas. On met une déco, donc ça va pas se voir. Hop. Je refais pas la même chose de l'autre côté, ça serait pas mal. Alors là, est-ce que je peux le rafistoler? Oui, ça se verra pas. Voilà. Et ouais, la cacahuète. Allez, donc du coup maintenant on va marquer nos plis. On va marquer nos plis ici une fois qu'on aura coupé. Alors on va prendre on va couper comme ça pour plier. Alors ici vous avez votre rectangle, vous allez couper en bas où il n'y a pas le rectangle, sinon c'est foutu tutu. On va juste faire un petit biseau ici et un petit biseau ici. Hop. Je vais faire la même chose ici. Et on coupe de l'autre côté, on fait la même chose. Et on fait la même chose ici. Voilà. On va prendre notre colle et on va coller. Alors là, vous allez plier dans ce sens-là. Et après, on va replier dans l'autre sens. Voilà. Vous allez faire ça et vous allez plier comme ça. Hop. Voilà. Là, on fait la même chose. Et là, on fait la même chose. On plie à l'intérieur. Et moi, mon trou, il va se voir. Alors, pour pas qu'il se voit, je vais faire ça. Cool, cool, cool. Hop. Je mets de la colle ici. Je mets de la colle ici. J'appuie. Et normalement, c'est tout bon. Yes. De la colle d'un côté et de la colle de l'autre. Je vais en remettre un petit peu. Mais ça se verra pas. Ça, c'est mon astuce quand vous avez fait un petit trou et voilà, c'est réparé. Vous voyez, mettez un petit peu de colle et avec le doigt et après on laisse sécher. Alors on prend la colle, on va mettre nos petites languettes à l'intérieur. En voilà une. On fait la deuxième. Allez. On se met bien au bord, surtout on fait attention que tout soit collé comme il faut. Et on fait l'autre côté pareil. Alors ces deux-là, je pense qu'on va être obligé de les coller ensemble comme j'ai fait
que je vais y arriver ou pas? Voilà. Et l'autre côté, on fait la même chose. Fais bien attention que les bords soient collés. Et notre petite carte, elle va se plier comme ça. Là, j'ai un morceau dépassé, c'est tout bon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Youp, là j'ai un zizi, c'est pas grave, ça va se mettre comme il faut. Voilà, donc ensuite on va couper l'intérieur, on fera notre robe après. Alors à l'intérieur, moi j'ai coupé un morceau qui fait, alors si je vous mets dans les inches ça va pas, 12,5 par 17,5 pour mettre au fond. En plus, je l'avais marqué derrière. 17,5 par 12,5. Voilà. Hop. Donc, si vous avez un papier avec un sens, vous faites bien attention. Voilà. De bien mettre les autres papiers après dans le bon sens. Ah ben là, voilà. Évidemment, Sylvie, elle a fait une coquille. Je me suis coupé le doigt hier et du coup, ça se verra pas. Ça ne se verra pas puisqu'on met la robe dessus. Bon, voilà, Sylvie, elle a fait une cacahuète. Je sais pas lequel. En fait, hier, j'ai fait de la 3D, il fallait que je découpe tout en fait et je me suis coupé les doigts partout. Ici, là-bas, c'est là que ça se... Ici, je me suis coupé les doigts partout. Enfin bref, voilà. Quand on veut jouer, c'est comme ça. Ça, c'est mes potes. Voili, voilou. Hop, hop, et hop. Alors, ensuite, on va mettre ici à l'intérieur, hop, deux morceaux qui font 6 cm par évidemment 17,5. Donc on va les mettre à l'intérieur sur les côtés. Bon, j'arrive au bout de ma colle. Donc on en fait deux, hein, 6 par 17,5. Alors moi j'ai mis une couleur différente. Hop, on va la coller sur le côté. À la même hauteur, ça serait bien. Voilà. On en met un de l'autre côté. Et après, on va faire notre petite robe. Et la robe, en fait, si vous n'avez pas de cintre, aujourd'hui ça va mal, j'ai des mains gauches. Si vous n'avez pas de cintre, bah, vous mettez une petite fleur en haut pour la faire tenir. Hop, alors on la met de l'autre côté. Garde d'être bien comme l'autre. Hop, c'est tout bon. Voilà. Ok, ok. Ensuite, on va faire nos petites portes. Alors, les petites portes. Hop, une et deux. Alors, les petites portes.
Elles font exactement 7 et demi par évidemment 17 et demi, d'accord? Et vous allez faire un petit pli à 1,2 cm. C'est 7 inches par 3 fois 2. Et on fait un pli à 2,5. Mais là, je vous l'ai donné en centimètres. Hop. Alors, ces petites portes, on va venir les mettre ici, de chaque côté. Voilà. Mais avant, on va mettre la déco ici sur le dessus. Alors, on va couper en biseau nos petits centimètres pour que ça rentre mieux. Et on va mettre notre déco sur nos portes. Alors, attention si vous avez un sens. Hein. Là, il n'y a pas de sens particulier. Donc, on va mettre nos portes comme ceci. Alors, mes portes, moi, j'ai dit que je mettais ça. Et ça. Et après, on viendra mettre dessus. Je vais les mettre à l'extérieur. Ouais, on va les mettre à l'extérieur, ça sera mieux. J'avais réfléchi tout à l'heure. Pour pouvoir les plier, c'est beaucoup mieux. Alors, du coup, on va coller et on les mettra à l'extérieur. On viendra les coller à l'extérieur, ça sera beaucoup mieux. Alors, hop, on la place correctement. On fait la deuxième. Il n'y a pas tellement de sens. Hein. 17 par 6, 17,5 par 6. Vous pouvez changer de papier. Hein. Obligé de garder le même papier. Hop, voilà. Donc on va coller nos portes et on va mettre notre déco après sur l'autre côté et on n'aura plus qu'à faire notre déco derrière et nos portes. Alors, on fait attention de bien être aligné. Je vais me plier, ça sera beaucoup mieux. Hop. Voilà, en voilà une. Là, il faut qu'elle colle bien comme il faut au bout. On colle la deuxième. Maintenant, on va mettre la déco ici et ici. Alors, il vous faudra encore... Oh là là, je vais en mettre partout. Il vous faudra, alors, quatre fois 6 cm par 17,5 pour coller derrière.
Alors, on en met un ici. Fais attention de bien être positionné. Normalement, c'est bon. C'est nickel. Hop. On en met un derrière la porte. Et on fait pareil l'autre côté. Cacahuète. Je suis plein de bêtises en ce moment, moi. Et c'est là en fait que on pourra écrire notre petit mot pour notre petite maman. Hop, on fait pareil de ce côté-là. Donc 6 par 17,5 4 fois. On la met ici, hop, on la cale comme il faut et c'est tout bon. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait des craques. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà. Ah, mon trou il est bien réparé. Donc ça c'est déjà fait. Donc maintenant on va venir faire nos portes et on fera notre robe après. Alors pour faire les portes, vous allez prendre, moi j'ai pris des feuilles 15-15. Attention, il faut que vos doigts soient propres parce que le miroir c'est quelque chose. Vous prenez votre plioir. Vous mettez votre petite porte ici. Donc moi elle fait 15 évidemment par 6 puisque c'était sur un bloc 15-15. J'en avais pas d'autres, d'accord. Et vous allez vous placer à 1 demi cm. Vous allez partir de là et vous allez tracer un trait pour faire la marque de la porte. Alors là, je la trouve pas. Hop, elle est là. Voilà, on va pas jusqu'au bout. S'il y a besoin, on remarquera après un petit peu. Hop. Là, ici, il faut que je remarque un peu. Voilà. On fait pareil sur l'autre pour marquer la porte. On se met 1 demi cm. Hop. On va pas jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite après, on va prendre des petits morceaux, deux petits morceaux. Bah tiens, je vais prendre celui-là. Il est rose, mais on s'en fiche. Alors, on va couper à 1 cm. Après, ça, c'est pour faire la petite poignée de la porte. Vous faites la grandeur que vous avez envie de faire. Ça n'a pas grande importance. C'est pour faire la petite poignée de la porte qui va ici. D'accord? Donc moi je vais la recouper un peu. Voilà. Celle-là je vais faire pareil. Et voilà. Tac. Je vais la couper un petit peu ici. Celle-là je vais la couper un peu aussi. Et voilà. Donc ça, on va le coller ici.
Alors attention, hein, parce que le papier miroir, quand il y a de la colle, après ça dépend quelle colle, mais compliqué pour la retirer, et si on veut la retirer, en fait, sortir la couleur du papier. Hop, on va se placer bien au milieu. Tac. Et on colle. Viendra nettoyer les traces après. Alors là, il n'y a pas de colle. Je m'en doutais. Hop, on fait pareil sur l'autre côté. À la même hauteur. C'est tout bon. Voilà, donc nos portes. On ira faire le ménage après. Donc on va placer nos petites fermetures de portes. Moi j'étale avec le doigt pour pas qu'il y ait de bavure. Hop. Tac. En voilà une. On fait la deuxième. On se met bien en face. Là, j'ai fait une cacahuète, évidemment. Voilà. Vite, vite. Ah! Mais non! Mais c'est pas possible! C'est incredible! Alors, je vais prendre une lingette bébé. Hop! Tout tombe. La bêtise à ne pas faire, la Sylvie l'a faite. Voilà. Je vais faire ménage maintenant. Voilà. Réparé. Ça ne me plaît pas trop sur le côté. On va nettoyer. Nettoyer, balayer. Hop là. Hop là. Et voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien. J'ai la machine 3D de mon mari qui s'est arrêtée.
Voilà. Donc, maintenant, nous allons mettre les petites... pour ouvrir les portes. Hop. Et puis, après, on a toute la robe à faire et la déco. Une, bah oui, bien évidemment, une. Elle reste collée sur mon doigt. Évidemment, il n'y a pas de colle derrière. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, après ça, on va le mettre de côté. Pour faire le petit anneau qui va autour, vous allez prendre un morceau de papier qui fait 13 et 13, 26, 30,5 et vous le collez. Moi, je l'ai tourné autour pour voir comment ça allait faire. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à le décorer. Donc, derrière, j'ai mis un je t'aime maman. Ici que l'on va coller. Ensuite après j'ai des petits papillons, j'ai un petit bonheur, j'ai des petits tac, voilà. Donc je décore et je reviens vers vous. Alors on va faire notre petite robe, elle n'est pas très compliquée celle-ci. On prend un morceau de papier qui fait 17,6 par 17,6. Sur, moi je vais prendre ce côté là. Donc on va faire un pli comme ça. Ouais, j'avais marqué 17,8 par 17,8, ça fait 7 pouces par 7 pouces. Ensuite après, on prend de l'autre côté. On va venir plier sur l'arête du milieu où on a déjà marqué notre pli. On va faire pareil de l'autre côté. On se met bien bord à bord. Hop. Et on marque notre pli correctement. Ensuite, après, ici, vous avez la marque du milieu, donc ça vous fait ça. Vous allez prendre le pli que vous venez de faire. Ça m'a fait peur. Désolée, je n'avais pas mis le téléphone en silencieux. Donc, on reprend. Donc, du coup, on s'est arrêté là. Donc, on vient de faire notre petit pli. On va ramener notre pli vers le pli que l'on a fait au milieu. L'autre côté, on va faire la même chose. On ramène notre pli sur le pli du milieu. Voilà. Ici, ça va nous donner ça. Donc, on marque bien tous les plis comme il faut. Voilà. On va prendre notre petite robe, on va prendre, vous voyez à peu près ce que là, ça va être le haut, hein, et après c'est le bas. On va plier, comme ça, et on va ramener comme ceci. Donc du coup, ici, ça va vous faire ça.
D'accord? On fait une petite vague. Ensuite, après, on va prendre le bas de la robe de la dame et on va venir l'écarter un tout petit peu. Voilà. Et marquer le pli. On va faire l'autre côté. On va marquer le pli comme ça. Hop. On tire là le jupon de la dame. Et on va remarquer un pli. Du coup, ça nous donne ceci. On va tourner. Ici, c'est le haut. Et ben, on va plier comme il faut en marquant le pli. Mais en bas, on va pas marquer le pli. On va prendre le bord et on va venir le décaler un petit peu de façon à former la robe. L'autre côté, on fait pareil. On plie bien le haut, mais le bas, on le marque pas. On prend juste le bas, on le pince et on marque la robe de la dame. D'accord? Donc, ça nous donne ça. Déjà, la robe, elle commence à bien se former. Ensuite, après, ici, on va prendre et on va se mettre comme ceci, hop, et l'autre côté on va prendre le même endroit, c'est pour faire les manches, on vient plier ici jusqu'au bord du haut, donc ça nous fait les petites manches, et ici au milieu, on va venir faire le décolleté, alors vous le faites comme vous voulez le décolleté, hein. Bien échancré ou pas trop échancré, alors moi je vais le faire comme ça, ici. Je vais faire comme ça. Je le mets à la même hauteur, en fait. Voilà. Mais comme mon col, en fait, il dépasse sur le côté, je vais rentrer un petit peu mon col pour faire un petit faux col, en fait. Après, vous le faites comme vous voulez, le col, hein. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui faites comme vous avez envie qu'il soit. Voilà. Moi, je vais le faire comme ça, mon col. Je le mets bien ici dans la rainure. Et comme ça, j'ai un col qui est pareil des deux côtés. Alors ensuite, après, je vais lui mettre une petite ceinture. Et ici, on va lui faire un décolleté. Alors, j'ai mis une petite, un petit papier bleu. Je le rentre. Vous regardez la dimension, parce que ça, des fois ça dépend. Vous le rentrez comme il faut à l'intérieur. Et moi je prends mon ciseau à cran. Vous pouvez très bien le faire en arrondi. Là moi je ne le fais pas en arrondi. Je le fais que je fasse pas de cacahuètes. Hop. Et là je fais la même chose. Hop. Voilà, ça me fait. Alors là, je ne l'ai pas assez. Hop, ça fait des dents plus petites, évidemment. Sylvie, elle a fait n'importe quoi. Si ça ne va pas, je le refais. Je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà. Hop. Je vais le refaire un petit peu. Voilà, ça me fait une petite dentelle toute bleue ici. Je vais venir mettre un petit peu de couleur. Hop. Voilà, j'ai mon petit col. Ensuite, après, on va lui faire sa petite... Alors, si ça ne va pas, on le relève, hein, parce que là, moi, il s'est enfoncé. Je vais le coller d'ailleurs. Parce qu'il s'enfonce de trop. Voilà. Je vais le relever un petit peu et le redescendre. Je vais le coller avant de couper. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici. Hop, et un peu de colle ici. Voilà. Et je viendrai couper après. Je vais leur avancer un peu pour que ça fasse pareil.
Après, c'est vous qui faites comme vous avez envie de faire. Hop, je vais couper le haut de ma petite robe. Hop. Et hop, voilà. Maintenant, on va faire la petite ceinture. Pour faire la petite ceinture, on prend un petit morceau de papier et on va venir le coller autour. On se place au niveau de la ceinture et on vient hop, faire notre petite ceinture qui va être collée derrière. Je branche mon pistolet à colle. Alors on colle. Ce côté là fais attention d'être bien en place et voilà tac et puis on va venir y coller un petit nœud soit là ou là voilà et puis là on va pouvoir lui mettre un petit bijou et puis on va mettre notre petit porte-manteau qui est avec les affaires en bois et notre carte va être terminée. On va lui mettre un petit bouton là. Non, ça va pas. Alors, on va lui mettre un petit cœur. Voilà, j'en ai un là. Couleur vert. Je vais lui mettre un petit cœur ici. Voilà, et le petit nœud ici. Hop. Et puis ça sera terminé. Je prends mes petits porte-manteaux. Je vais la coller et notre boîte va être terminée. Hop, on prend le pistolet. On colle le nœud. Voilà. Et puis on va coller le petit porte-manteau, mettre à l'endroit. Oh, ça c'est une catastrophe ce truc. Hop. Allez, je colle. Tac, tac. Et voilà. Notre petite robe est terminée. Maintenant, on va la mettre dans notre petite boîte. Et voilà. Donc, ma petite boîte, j'ai fait un petit nœud. Là, j'ai mis un petit sac à main pendu. Un petit tablier. Ici, j'ai mis les petits outils. J'ai mis un petit rond qu'on m'avait envoyé. La recette du bonheur. Quelque rien. Des choses de simples. Savoir profiter de l'instant présent intensément. J'ai mis des petites fleurs. Un nœud. Ici, j'ai marqué « Je t'aime, maman ». Et quand on l'ouvre, tout simplement, c'est comme ça. On va mettre la petite robe dedans. Voilà. On viendra y cacher. Alors, la petite robe, je ne l'ai pas assez descendue. Je vais remettre de la colle. Elle n'était pas collée. Heureusement, je vais la redescendre. On va remettre de la colle. Alors, mon porte-manteau n'était pas assez descendu. Du coup, on va le mettre plus bas. Ben voilà, évidemment. Tac.
Vas-y, Walou. Tac. Couper l'eau. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on viendra cacher notre petite carte cadeau ou autre derrière. Voilà. Là, on viendra mettre notre petit mot de chaque côté. Notre petite carte, elle est terminée. En soi, elle n'est pas très compliquée à faire, je trouve. Il faut juste nettoyer où on a mis nos doigts. Voilà. On met dans une enveloppe. Et voilà, deux petites cartes toutes mignonnes. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les sildingos, les sildingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.